David Guetta est l'artiste français le plus écouté au monde. Son nouvel album Seven sort aujourd'hui. Guetta, 16 ans de carrière et de succès. Mais qui est-il vraiment? Passionné, bosseur, ouvert? Voici les basiques de David Guetta. Tout commence en 1988. Guetta, 20 ans, se rend à Londres, où il découvre la house music comme il nous le racontait il y a quelques années. Je vais dans une soirée qui s'appelait Show, une des premières soirées acid house. Là, je vois un mec sur scène, comme un messie. Je dis « Waouh, je veux réussir à faire ça ». Le plus, voici la fameuse chanson qui a changé sa vie. C'est en écoutant ce titre qu'il a décidé de faire de la musique. Guetta est un bosseur. Dès son premier album, en 2002, Guetta a une obsession, faire découvrir la dance music au monde entier. Pas un jour sans qu'il ne le crée, partout, tout le temps, comme ici, dans sa chambre d'hôtel à New York, il y a 10 ans. Ça, c'est un vrai studio, quoi. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu peux composer de la musique partout, parce que tout tient dans mon ordinateur portable. Depuis 16 ans, David Guetta enchaîne les tournées, jets privés, hôtels, une vie faite de voyages. Mais Guetta n'est pas le DJ qui collectionne le plus de miles. Le néerlandais Tiesto a effectué l'équivalent de 62 fois le tour du monde. L'empreinte carbone, on en parle? Enfin, David Guetta est ouvert. Il a été l'un des premiers à inviter sur ses disques des artistes d'une autre tribu musicale que la sienne. Il y a 10 ans, Guetta accueille Kelly Rowland sur son titre When Love Takes Over, une chanteuse R&B, succès mondial. Je suis vraiment honorée de travailler avec David. Le plus, Guetta, qui a vendu à ce jour 10 millions d'albums et 35 millions de singles, a encore invité du beau monde sur sa nouvelle création. Justin Bieber, Sia, Nicki Minaj, Jason Derulo. Le nouvel album de Guetta, Seven, est sorti ce matin. Enfin, ce vendredi 14 septembre, Amy Winehouse aurait eu 35 ans. Basique vous offre ses trois titres les plus écoutés en streaming. Sometimes I go out buzzing and I look across the water. Why don't we go to rehab? I won't. Amy Winehouse, ses refrains sont plus que des basiques, des classiques. Basique, c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment sur tous les autres.